Salut à tous. Donc, je reprends Je l'aime à mourir, Francis Cabrel, suite au cours donné par Kaël sur cette chanson, sur quatre tutos. Donc, voilà le compte rendu de ces cours, de ce que j'ai pompé. Ensuite, à la fin de cette reprise, je laisserai quelques petits commentaires pour les débutants. C'est très, très important. Je n'étais rien, c'est voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et de l'amour aussi. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. A bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traverserons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et de l'amour aussi. Ok, voilà. Bon, je me suis rajouté une petite note pour mon propre plaisir. Alors voilà, les commentaires que je vais faire pour les débutants, bon, ils sont tout simples. Moi, je fais un compte rendu des cours café Kael. Après Kael jugera, bon voilà, il n'y a pas ça qui va pas, etc. Alors, surtout, je demande aux débutants de ne pas regarder ma position d'accord et comment je joue, parce qu'elle m'est propre. Elle m'est propre. Pourquoi? Parce que bon, je l'ai dit et puis je le redis encore, vous me verrez pratiquement jouer en arpège, car bon, j'ai des difficultés sur la main droite, un handicap qui m'empêche de faire des fautés. Donc voilà. J'ai développé un jeu en arpège qui est un peu spécifique et que de toute façon, je pense que vous le ferez vous aussi si vous jouez en arpège avec les années de jeu. Pourquoi? Parce que en guitare, et Kael vous le dira, d'autres professeurs vous le diront, en guitare, il faut essayer de se fatiguer le moins possible. Donc, alors, explication. Sur un mi majeur, en fauté, on va prendre ce cas-là, je frotte, donc voilà. On est obligé de mettre tous les doigts. En arpège, comme on n'utilise que la fondamentale de l'accord et les trois dernières cordes, ou première corde si on veut, n'y a pas besoin de poser tous les doigts. Voilà. Il suffit de mettre l'index corde de sol première case, puis je joue. En frotté, en arpège. Voilà, on a un mi majeur. Mi mineur, en frotté. Un arpège, j'enlève tout. Voilà. Pour les barrer, c'est encore plus simple. Je barre et je ne mets qu'un doigt sur la deuxième corde, corde de sol. Sans frotter. Deux doigts se barrent. Tout est comme ça. Voilà, s'appelle la majeure. Bon, on pourrait enlever ce doigt-là. Après, bien sûr, sur les accords de Ré majeur, Ré mineur, là, on est obligé de faire toutes les positions. Sur le Do aussi. Frotter en arpège, c'est pareil. Sur le Fa septième, c'est pareil, en arpège ou en frotté, mettre tous les doigts.
Donc vous verrez, c'est suivant votre évolution. Moi, voilà, moi, je pratique comme ça. Par exemple, aussi une astuce, quand il est demandé un ré majeur, par exemple, avec une base fa dièse, je vais faire ça et ça. Bon, frotter à la rigueur, pour ceux qui sont assez rapides, ok? Ben moi, non, je triche. Bon, frotter, on est obligé de le faire, hein? Moi, je parle de l'arpège, au lieu de faire ça en arpège. Ben, je fais ça, voilà. Je barre comme si j'allais faire un si, moi je dirais, si mineur. Voilà. Voilà. C'est des astuces comme ça que vous trouverez vous-même. Hein. Voilà, j'en montre une comme ceci. Celui-là. D'accord, je crois que je m'en sers sur Someone Like You d'Adèle. Et il me semble aussi sur un morceau de Ben Harper. Oui, Ben Harper. Walker. Bon, je ne sais plus exactement le titre. Il me semble aussi que je l'utilise aussi sur un troisième morceau. Je sais plus lequel. Enfin voilà. Voilà, c'est des petites astuces, ma façon de jouer. Et surtout, surtout, vous regardez les cours de Kael et ses accords à lui, les accords scolaires. Après, quand vous prendrez de la bouteille, vous ferez comme vous le sentez. Voilà. Allez, ciao, ciao.